Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 24 décembre 2023. D'aucuns donc avaient prédit sa mort, mais c'était une mauvaise lecture de l'histoire de l'animation de la vie politique au Bénin. Le parti UDBN, devenu RN Renaissance Nationale, reprend sa place sur l'échiquier politique national. La relance des activités de cette formation politique a été actée à la faveur de son congrès ordinaire tenu le samedi 16 décembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Alors, quelle est la nouvelle offre politique de cette formation politique que dirige Claudine Prudencio? Quelles sont les nouvelles orientations et sa vision politique? Comment le parti entend-il aborder le virage de 2026? Autant de questions que nous allons évoquer avec notre invité de la semaine. Mohamed Akintola est le chargé de mission et responsable de la cellule de communication du parti Renaissance Nationale. Nous avons également rendez-vous avec l'un de nos analystes sur le plateau du grand format. Claude Alofa est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous suivrez son regard sur l'actualité juste avant nos discussions avec notre artiste de la semaine. Et justement, ce dimanche, c'est Chris Beats qui répond présent. Son dernier morceau qui est sorti récemment, c'est une collaboration avec First King que nous allons découvrir au cours de notre entretien. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, quelques jours après son discours sur l'état de la nation, le président Patrice Talon a accordé un entretien exclusif à la presse nationale ce samedi. Plusieurs sujets étaient au menu. On va revenir sur quelques séquences de son intervention, notamment la candidature de Olivier Bocor, le pardon de Boni Yayi et la loi d'amnistie au profit des détenus politiques. On parlera également de la célébration de la fête de la Noël. C'est demain, lundi 25 décembre, moment de joie pour les enfants qui reçoivent beaucoup, beaucoup de cadeaux de leurs parents, mais aussi du Père Noël. Mais cette question, quel genre de jouet faut-il offrir à son enfant? Image, reportage à suivre. À suivre également le point de la 7e édition de la cérémonie de distinction des top managers de l'année 2023 qui s'est déroulée ce vendredi. C'est une initiative de l'agence de communication Euphoria Africa Impact. Son objectif est d'encourager les chefs d'entreprise. On débat avec le point de l'actualité, c'est l'acte 1 du grand format. Depuis quelques mois, on observe les mouvements de suscitation de la candidature de Olivier Bocor à l'élection présidentielle 2026. Lui qui, d'aucuns appellent le bras droit de Patrice Talon à cause de ses liens d'amitié les lient. Le chef de l'État dit ne pas savoir si son ami est vraiment candidat puisqu'ils n'en ont pas discuté. Mais pour lui, ce n'est pas le moment de susciter les candidatures. On va le suivre. Vous avez parlé de mon ami, Olivier Bocor. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, un, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qu'ils vont promouvoir en 2026. Patrice Talon, accusé de tentative d'empoisonnement de son prédécesseur, c'est l'un des épisodes les plus chauds du second quinquennat de Boni Yayi. Eh bien, le chef de l'État a apporté des clarifications au sujet du pardon dont il aurait bénéficié de Boni Yayi et aussi les démarches de réconciliation entre les deux hommes. Écoutez. Moi, personne ne m'a pardonné de rien du tout. La justice de mon pays a dit que nos lieux, tous ont été accusés, n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, hein, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens à prouver que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait, qu'on soit bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout. En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Bouni, a souhaité qu'on fasse la paix. Ce n'est pas moi qui ai sollicité une paix.
manquait solliciter la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation, mais l'initiative n'était pas de moi. Voilà, les députés de l'opposition, les démocrates, ont introduit depuis quelques mois une loi d'amnistie au profit des détenus politiques. La loi est inscrite à l'ordre du jour de la session en cours à l'Assemblée nationale à la faveur de l'entretien. Le chef de l'État est revenu sur cette question et dévoile sa position sur cette démarche des députés de l'opposition. On va l'écouter. Peut-être que vous, les Béninois, ne savent pas exactement le contenu de ce que demandent les démocrates. Qu'il demande d'ailleurs, même pour moi, sans sincérité, il n'y croit pas. Parce qu'il demande quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Erika Madougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux. On a vu les traces. On a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Commandité par une femme. Et la justice est allée à son terme, la personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et ont dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Kamadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. On va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres, 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement, on me demande, Monsieur le Président, il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que, pourvu que la personne ait été politique, ait été l'amie d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement, si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir comme ça. C'est sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait, ce n'est pas possible. Voilà donc les clarifications apportées par le chef de l'État à la faveur de cet entretien exclusif qu'il a accordé à la presse nationale hier samedi. Autre sujet à présent, nous sommes déjà dans la ferveur de la Noël dans les marchés. En ce moment, les articles les plus en vue, ce sont des objets de décoration, notamment les sapins de Noël. Quelle est alors leur histoire et leur origine? Élément de réponse dans ce magazine, signé Ingrid Dedère et Moufid Sagouan. La plupart des symboles de Noël, le sapin trouve ses origines dans les religions païennes qui ont précédé le christianisme. La date de la nativité du Christ ayant elle-même été choisie de manière à supplanter les fêtes païennes du solstice d'hiver. Dans l'Empire romain, la date du 25 décembre qui correspondait alors au solstice marquait la fête de la divinité solaire Sol Invictus. Symbole du renouveau de la vie, le sapin est un thème traditionnel païen que l'on retrouve dans de nombreuses religions achaïques. Le sapin conifère à feuilles persistantes
est un symbole du triomphe de la nature sur l'hiver et donc de la vie sur la mort. Symbole de la vie, il lui est également associé celui de la lumière. La flamme du cierge rappelle l'étoile de Bethléem qui éclaire la nuit, comme Jésus en venant dans le monde éclaire tous les hommes. Pour les chrétiens, il représente l'arbre de vie du paradis, mis en parallèle avec la croix du Christ qui apporte la vie nouvelle. On le mentionne pour la première fois comme arbre de Noël en Alsace, en France, vers 1521. Au XIVe siècle, les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. Ce sont les protestants, en 1560, qui développaient la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Au XVIIe et XVIIIe siècle, apparaissent les premiers sapins illuminés. Le sapin de Noël a donc observé une évolution sans précédent qui lui assure depuis plusieurs siècles le rôle d'emblème de Noël. Depuis lors, on retrouve plusieurs variétés de sapins avec différentes tailles. Nous avons plusieurs variétés de sapins, à savoir des sapins de couleur verte, des sapins floqués, des sapins blowing et des sapins blancs. Nous avons différentes tailles. Pour les sapins verts, nous avons 1,50 m, 1,80 m, 2,10 m et 2,40 m. Et comme vous le voyez, vous allez voir ce sapin. Et c'est un sapin avec le thème blanc-vert, oui, blanc-doré. Et avec chaque sapin, vous allez voir, par exemple, je prends le cas de ça, c'est un sapin vert avec des plumages. Chaque sapin avec sa déco. Bien que les origines de cette tradition de Noël se perdent dans les élucubrations de l'histoire, l'arbre de Noël est pourtant devenu légendaire. Pour ces personnes rencontrées dans la ville de Cotonou, la période la plus magique de l'année est sans nul doute la fête de Noël. Il n'est donc pas question de fêter la Noël sans les sapins. Comme elle, bien d'autres personnes prennent d'assaut les rayons de décoration pour choisir leur sapin. Le sapin reste un arbre dont la plupart ignorent l'origine et le sens. Pour la majorité de ces personnes, leur définition du sens du sapin de Noël reste la décoration. Nous sommes venus acheter le sapin pour orner la maison, pour montrer aux enfants que le Papa Noël s'approche à venir. Donc à la veille, nous pensons exposer ça, et mettre les lumières dedans et tout, pour que les enfants soient contents, quoi, pour qu'ils soient dans la fièvre de la fête. Depuis mon enfance, mon papa me faisait ça à la maison, avec les jouets. Bon, pour nous, quand on voit ça, on sent que le Papa Noël s'approche à venir. L'arbre de Noël est l'un des symboles de la fête la plus attendue et la plus appréciée de l'année sur toute la planète. C'est le moment pour les villes de faire leurs plus belles toilettes et c'est aussi l'occasion de se faire plaisir en famille et entre amis autour d'un bon repas. Pour moi, ça a un sens parce que j'adore la fête de Noël et j'aime avoir un sapin à la maison chez moi. Et je suis à l'aise avec ça. Malgré la morosité économique qui secoue le pays, tout le monde s'affaire, chacun à hauteur de sa bourse, pour vivre la magie de la Noël. Voilà donc ce qu'on peut retenir de l'histoire du sapin de Noël. La période de Noël, comme je le disais, est le moment où on offre beaucoup de cadeaux aux enfants. Mais cette question qui nous paraît pertinente, sur quels critères faut-il se baser pour opérer le choix du jouet à son enfant? Une équipe de la rédaction a cherché à le savoir. Voici la réponse. Leonida est venue prendre un jouet pour sa petite fille à l'occasion de la fête de Noël. Son choix, une poupée. C'est le choix de la petite elle-même. Et la poupée, c'est féminin, beaucoup plus féminin. Donc du coup,
on préfère aller dans le sens de garçon, fille. Mais toutefois, on peut toujours choisir des jouets mixtes. Il y a des jouets mixtes qu'on choisit. Mais ça, c'est son choix. C'est tout. Mais il ne s'agit pas seulement de se plier au choix de l'enfant. Petite poupée pour la petite fille de 3 ans environ. Une voiture ou un vélo en miniature pour le petit garçon. L'âge est l'un des critères déterminant le choix des jouets pour les enfants. Les enfants de 0 à 3 ans ne peuvent pas jouer avec les mêmes jouets, ne peuvent pas utiliser les mêmes jouets que les enfants de 6 ans. Parce que les enfants de 6 ans, 8 ans, 10 ans, leurs jouets contiennent des petits objets que les enfants de bébés de 3 ans peuvent avaler rapidement. Aujourd'hui, vous allez constater que les jouets à piles sont vixés parce que les enfants, dès qu'ils voient les parents mettre les piles dedans et ils tournent le dos, l'enfant est curieux, il ouvre, il prend la pile, il prend les piles, il met dans la bouche. Les jouets, par exemple, qui jouent la musique, dans lesquels les musiques sont intégrées et dès qu'on appuie le bouton, ça commence par jouer. Vous verrez des berceaux, les berceaux mobiles des enfants et qui comportent ces genres de musique-là. Ça peut captiver déjà l'attention de l'enfant et lui donner le sens, non seulement du temps, mais de l'espace, pardon, du temps, mais du son. Et donc ça éveille en l'enfant ces différents sens. Lorsque les enfants grandissent et qu'ils n'ont pas eu la chance de bénéficier d'un certain nombre de jouets, ils peuvent avoir l'âge de 10 ans, de 11 ans, et vouloir qu'on leur offre un jouet qu'ils auraient pu avoir quand ils avaient 3 ou 4 ans. Donc c'est aux parents de suivre le développement de ces enfants-là et de savoir quel est le jouet qui correspond le mieux. Au-delà de la fonction ludique, les jeux ont une fonction éducative. Pour cela, les jouets qui prônent la violence sont à proscrire selon le psychopédagogue. Je veux parler des pistolets, je veux parler des épées, des armes ou de tout ce qui fait du bruit, par exemple à l'extrême, qui n'est pas forcément du niveau de l'enfant. Quand les enfants en arrivent à demander ces jouets-là, c'est aux parents de pouvoir canaliser leurs élans. Parce que, premièrement, un jouet est ludique, comme je l'ai dit. Un jouet doit être aussi éducatif, si c'est possible. Dans la mesure du possible, un jouet doit être éducatif, c'est-à-dire que quand l'enfant l'utilise, il doit pouvoir en tirer bénéfice. Un jouet peut, par exemple, aussi permettre à l'enfant de s'imaginer une profession dans laquelle il pourrait se retrouver demain. Donc, on va bien au-delà de l'aspect ludique, de l'aspect distractif. Choisir donc le jouet à son enfant ne relève pas d'un simple achat, mais cela répond à plusieurs critères. Un choix responsable est alors préconisé. On reste dans la même ambiance de veille de la fête de la Noël avec le complexe scolaire Djeffa à Plage. Cette école, comme à son habitude, a célébré la fête de la nativité pour ses enfants, des moments festifs pour permettre aux enfants de clôturer en beauté la première partie de l'année scolaire et surtout plonger dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Reportage. Une fête de Noël riche en couleurs pour les apprenants du complexe scolaire Sainte-Élisabeth de Djeffa Plage dans la commune de Semekoji. Reconnue comme fête des enfants, ce sont eux-mêmes qui ont agrémenté cette célébration initiée par Epiphane Ngwedo, fondée de ce lieu de savoir. À travers différentes prestations, poésie en anglais, chorégraphie et chant, ils ont révélé le savoir-faire qui se transmet au complexe scolaire Sainte-Élisabeth. Tout ceci s'est déroulé sous le regard bienveillant du fondé, du personnel administratif et des parents d'élèves qui, par ailleurs, sont satisfaits des performances académiques de leurs enfants. Nous avons constaté une grande différence dans nos enfants lorsqu'ils étaient ailleurs par rapport à ce que nous avons vu dans nos enfants lorsqu'ils ont commencé à l'école Sainte-Élisabeth. Nous avons constaté une grande différence. C'est pourquoi nous encourageons les uns et les autres. Nous encourageons les uns et les autres à vraiment inscrire leurs enfants dans cette école. Donc nous le remercions infiniment. Et je lui ai dit, il a trop tardé avant de venir installer son école ici. Mais que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Cette école de Djeffa Plage est la réplique de celle de Glegbonou. Et en créant cette nouvelle école, Epiphane Ngwedo et son équipe ont voulu davantage mettre leur savoir-faire au service de la formation des enfants de Semekoji.
Cozelle est née il y a environ 25 ans. Et nous évoluons comme ça. Un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit que ce n'est pas Semekpoji seul, ce n'est pas Jeffa seul que nous allons contribuer au développement de l'enseignement. Lorsqu'on parle de l'enseignement, je suis toujours partant. Je suis toujours sidéré. Et c'est pour cela que nous avons essayé de créer cette école. En réalité, la cérémonie de ce jour est pour mettre la joie dans le cœur des petits-enfants. Nous travaillons, nous sommes fatigués. Et donc, il y a un temps pour égayer les enfants. Il y a un temps pour s'amuser avec les enfants. Et c'est pour cela que notre objectif, ce jour, c'est pour fêter Noël avec nos enfants. Après les différentes manifestations de cette journée récréative, les apprenants sont repartis chacun avec un cadeau et ainsi plongés dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Cette période des fêtes de fin d'année est une occasion pour chaque famille de faire le bilan des 12 derniers moments au niveau du complexe scolaire Clé de la Réussite. La tradition a été respectée avec la remise des cadeaux aux enfants des écoles primaires de cet établissement. Reportage. Une fin d'année sans le Père Noël au complexe scolaire Clé de la Réussite n'existe pas et pour cette fois-ci encore, les cadeaux sont venus par milliers. La direction du complexe a pour l'occasion fait déplacer l'heureux Globetrotter et son frère vu la place de choix qu'occupent les enfants. Et chaque enfant est reparti dans la joie. Conscient de ce que l'enfant est la relève de demain, de ses géniteurs, et que nous devons contribuer à ce qui nous concerne, à la participation de l'atteinte de cet objectif, nous mettons ainsi donc tous les moyens en œuvre pour y arriver. C'est pour cette raison que nous mettons un prix d'or à recruter les instituteurs de qualité, des instituteurs chevronnés dans notre complexe. Par ailleurs, pour un suivi régulier de ces braves hommes, nous avons noué de partenariats avec des conseillers pédagogiques qui passent régulièrement suivre le bon déroulement des enseignements donnés par ces instituteurs. Le complexe Clé de la Réussite est tout aussi convaincu comme Victor Hugo que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il se réjouit de la confiance sans cesse renouvelée des parents pour l'éducation des enfants. Aux parents, des vœux. Comme à l'accoutumée, le complexe Clé de la Réussite tient à sacrifier à la tradition qui caractérise les festivités de Noël. Cette tradition qui exige que l'on rende heureux nos enfants en qui nous plaçons tous nos espoirs. Un enfant heureux et bien éduqué, c'est la garantie de la réussite certaine. Nous profitons de cette festivité pour présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès à tous les usagers du complexe Clé de la Réussite. Ici, le succès a toujours été au rendez-vous lors des divers examens, ce qui fait du complexe l'un des meilleurs du Bénin. Occasion pour le fondateur-directeur général, Omer Adanéjan, d'exprimer une pensée particulière aux candidats. J'implore à cette occasion solennelle, Dieu le Père Tout-Puissant, à travers son Esprit Saint, d'éclairer tous nos candidats à chacune des étapes de leur étude, de les conduire sur les sentiers de la réussite, de les fortifier pour un succès éclatant aux divers examens. Chers usagers du complexe Clé de la Réussite, que Dieu le Père Tout-Puissant, le Dieu de la réussite partagée, vous comble de toutes ses grâces et vous aide à réussir tous vos projets pour que cette année 2024 soit une année de grâce et de réussite certaine
pour chacun et pour tous. Pour cette édition, différents tableaux ont été présentés par les élèves du complexe. Sketch, chorégraphie, défilé de mode. Pour ces occasions festives, les moyens sont toujours déployés. L'orchestre des jeunes, les étincelles de Paou, a égayé les enfants. Toujours dans l'actualité, on parle de la journée de l'enfant béninois célébrée le 23 décembre de chaque année pour l'édition 2023. Les responsables du foyer Don Bosco de Porto Novo ont commémoré l'événement. À l'occasion de cette célébration, enfants, parents et autorités politico-administratives ont été sensibilisés sur les droits de l'enfant et le devoir des parents à l'ère du numérique. Reportage. Tous mobilisés pour la promotion des droits de l'enfant. C'est ce credo qui a fondé cette commémoration de la journée de l'enfant béninois ici au foyer Don Bosco de Porto Novo, dirigé par le père Emmanuel Azagba. Placé sous le thème « Les droits de l'enfant et le devoir des parents à l'aide du numérique », cette célébration a fourni une excellente occasion de dialoguer à propos des droits de l'enfant à l'aide de la technologie, à travers diverses prestations, chorégraphies, chants et déclamations poétiques. Les enfants ont exposé les faits qui les plongent en situation difficile. Au Bénin, beaucoup d'enfants sont confrontés à des situations difficiles liées à la précarité des familles, à la séparation des couples, au décès précoce des parents, à la disparition progressive de la solidarité, mais grave à la synergie d'action des acteurs de protection, la situation des enfants a connu de nos jours des améliorations très significatives, même s'il reste encore des efforts à faire. Tous les enfants, garçons ou filles, ont des droits. Aucun enfant ne doit être traité injustement pour quelque raison que ce soit. Face à la problématique des enfants en situation difficile qui, en l'absence d'un suivi éducatif, deviennent des déviants sociaux, le foyer Don Bosco s'attelle depuis plusieurs décennies à apporter des solutions. Cette célébration a été l'occasion pour le directeur exécutif du foyer Don Bosco de remercier tous les partenaires grâce auxquels, chaque année, des centaines d'enfants en situation difficile sont sauvés de la rue. Le foyer Don Bosco, depuis plus de 28 ans, cherche nuit et jour à redorer à cette texture pour y mettre de la joie et d'une meilleure promotion de la génération future de notre pays. Ce désir de célébrer la journée de l'enfant béninois qui se concrétise sous nos yeux en nous rendant des témoins de l'histoire. Ce fut une occasion pour manifester notre reconnaissance à l'État béninois pour la confiance et la sollicitude pour les plus démunis. Un remerciement aux ambassades d'Allemagne et de la France, un remerciement à la Fondation Claudine Talon, un grand merci à toute la grande famille de bienfaiteurs qui, malgré les limites économiques, ne cessent de se mobiliser pour des dons des plus petits aux plus grands. À travers cette célébration, le foyer Don Bosco a réitéré son engagement pour la réintégration sociale et l'épanouissement de l'enfant béninois en situation difficile. Avant de boucler la première partie du grand format, sachez que la 7e édition de la cérémonie de distinction des top managers de l'année 2023 a été effective vendredi dernier. Une initiative de l'agence de communication Euphoria Africa Impact. Objectif, encourager les chefs d'entreprise. Cette année, plus d'une dizaine de lauréats ont été distingués à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée à la cour d'appel de Cotonou. Reportage. Dénommée Trophée de l'entreprise, cette cérémonie de distinction vient une fois encore célébrer ces différents chefs d'entreprise. Ceci à travers leur innovation, leur résilience ainsi que leur personnalité. Autant de choses qui contribuent à la prospérité de leurs activités. Vous, chefs d'entreprise, vous le méritez. Vous le méritez d'autant plus que vous êtes un maillon essentiel du développement. Que dis-je, un acteur du développement. Vous,
et ses auxiliaires qui interviennent de façon indirecte pour favoriser l'épanouissement de l'entreprise. Le Bénin regorge beaucoup de talents, de chefs d'entreprise dynamiques qui méritent d'être célébrés. Je m'en voudrais de terminer mon allocution sans témoigner mes sincères remerciements et gratitude aux nominés qui ont cru en nous, aux sociétés qui nous ont soutenus. Je vous dis du fond du cœur un grand merci. Ils sont plus d'une dizaine à recevoir une distinction dans trois différentes catégories. Il s'agit de la catégorie Top Manager 3 étoiles, celle Top Manager Diamant 5 étoiles et celle Top Manager. Si on a pu vous remarquer, c'est que certainement on impacte. Donc je remercie l'agence Euphoria pour cette belle initiative, pour cette distinction. C'est avec fierté que nous avons retiré notre distinction, une distinction que nous sommes en train de dédier à tous les usagers du complexe clé de la réussite, à savoir les enseignants, les institutrices, les instituteurs, tous les professeurs qui nous accompagnent, les membres de l'administration qui s'efforcent derrière nous pour que nous ayons chaque année de très bons résultats. Merci beaucoup au cabinet. À l'agence Euphoria, merci à Monsieur Achille Gambon, merci pour cette belle cérémonie, pour cette belle initiative. Nous sommes vraiment fiers de ce que vous faites pour les entreprises et j'espère que vous allez continuer. On sera là pour vous soutenir, ITM et toutes les autres entreprises qui sont là ce soir. Ces récipiendaires entendent tout mettre en œuvre pour impacter davantage la société béninoise. Les yeux sont désormais tournés vers la prochaine édition. Tout simplement, bienvenue. C'était donc le dernier sujet du point de l'actualité. Dans la deuxième partie de ce rendez-vous, la page invitée qu'on va ouvrir avec la politique. Une semaine que l'Union démocratique d'un Bénin nouveau, devenue Renaissance nationale, a tenu son congrès ordinaire au Palais des congrès de Cotonou. Ses assises occupent toujours l'actualité. Et le grand format en parle ce dimanche avec Mohamed Akintola, chargé de mission et responsable de la salle de communication du parti. L'entretien, c'est juste après la pub. On se retrouve dans quelques secondes. Eya, la fête démarre. Jusqu'au 31 janvier 2024, bénéficiez jusqu'à moins 40% de remise sur toute la gamme électroménager. Aussi, participez à la super tombola de fin d'année sur tout achat à partir de 200 000 francs CFA dans l'une des agences Néo et Allo. Au tirage, plus d'une dizaine de lots à gagner dont les motos Wave S et les téléviseurs LED à ne pas rater. Plus vous achetez, plus vous avez la chance de gagner à la grande tombola de Néo et Allo. Rendez-vous en agence Ganri, Avenue Stenmez, Kangezo et Revan. Garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 60 00 66 66. Néo et Allo vous souhaitent une bonne année. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. We'll be right back.
Le samedi 16 décembre 2023, au Palais des Congrès de Cotonou, le parti Union démocratique d'un Bénin nouveau devenu Renaissance nationale a tenu son congrès ordinaire, un rendez-vous important qui replace le parti sur l'échiquier politique national. Le parti que préside Claudine Prudencio reprend ses marques pour les prochaines échéances électorales. Ce dimanche, le grand format revient sur cette actualité avec le chargé de mission et responsable de la cellule de communication du parti, Dr Mohamed Awali Akintola, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Beaucoup. Alors, dans quel contexte votre parti, justement, a organisé ce congrès ordinaire? Merci beaucoup et merci à tous nos téléspectateurs. Nous sommes sortis des élections législatives de 2023 avec les résultats que le public connaît. Mais un peu avant cela, nous avons consommé notre divorce avec un autre parti de la mouvance présidentielle, une aventure qui s'est mal terminée pour tous. Nous avons donc eu juste 3 mois pour préparer les élections dans avec toutes les difficultés que nous connaissons tous. Donc il nous fallait prendre une pause, faire un break comme on le dit, faire un bilan diagnostique de notre formation politique et prendre les grandes résolutions. Il y a eu donc un congrès ordinaire qui a connu cela et qui a pris des décisions. Ces décisions devaient donc être partagées, réanalysées avec nos militants à la base. C'est donc ce qui a donné naissance à ce congrès extraordinaire-là qui s'est tenu le samedi 16 décembre 2023 au Palais des Congrès, à la salle du Palais des Congrès, où nous avons reçu plus de 1200 militants et sympathisants venus de toutes les contrées du Bénin, afin de changer avec eux sur les résolutions du congrès. Justement, ordinaire. Quelles sont les résolutions qui ont été... Je pense que ce qui a le plus frappé, c'est le changement de la dénomination du parti qui, de Union démocratique pour un Bénin nouveau, est devenu Renaissance nationale, également l'emblème qui va avec. Mais au-delà de cela, puisque ce changement de dénomination d'emblème n'est que la pointe de l'iceberg, l'essence même de l'existence de tout parti politique en démocratie, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Cela implique donc stratégie, cela implique donc action et activité. Donc tout cela a été revu. Et après ce diagnostic, la prise de ces résolutions-là, il y a plusieurs résolutions qui concernent nos nouvelles stratégies de conquête sur le terrain, où nous avons décidé d'axer désormais notre travail sur le terrain sur la communication fluide dans les deux sens entre les militants à la base et les responsables au niveau local et au niveau national, parce que l'un des problèmes que nous avons toujours connu, c'est le fait que le parti soit mal compris ou incompris, que ses activités, que sa vision, que ses orientations ne soient pas suffisamment bien expliquées ou suffisamment bien perçues par les membres ou les béninois dans leur ensemble. Donc autant de choses qui verront le jour dans les semaines, les mois à venir, avec pour objectif de conquérir le terrain et de mieux nous repositionner sur l'échiquier national. Alors pourquoi le changement de dénomination donc, du parti? En fait, il n'y a pas grand chose à savoir ou à chercher à savoir par rapport à ça. Écoutez, nous sommes sur un terrain de marketing politique. Vous voyez, quelle que soit la beauté de l'article que vous vendez, si cet article il est mal présenté ou que le packaging n'est pas suffisamment attirant, mais votre objet restera sur votre étalage. Donc, en plus d'opérer des changements à l'interne, et parmi ces grands changements-là, j'allais y venir un peu plus tard, c'est le fait que la présidente Claudine Afiavi Prudencio soit revenue à la tête du parti Renaissance nationale, puisque le tremplin que nous avons connu, comme je l'ai dit plus tôt, nous a permis de comprendre que nous n'avions pas encore fini de bénéficier de son expérience, de son savoir-faire dans ce milieu-là. Donc, il nous fallait la ramener pour qu'elle puisse reconduire la destinée de ce parti-là vers de nouveaux horizons, plus plaisants, plus agréables. Donc, il y a également les membres du bureau qui ont été... le bureau donc qui a été remembré à la nationale et ainsi de suite. Pour dire que autant de choses qui ont été décidées, qui sont déjà en train d'être implémentées, mais pour vraiment faire la totale, il nous fallait ajouter cette touche-là
qui est le changement également de dénomination, et nous ne serions pas les premiers à le faire dans l'arène politique. Justement, après ce congrès, vous avez sans doute reçu des félicitations, mais aussi des critiques qui mettent en cause donc le poids de votre parti. Certains pensent que le changement de dénomination du parti ne suffit pas pour lui donner le poids qu'il faut. Alors, est-ce que ces critiques vous ont parvenu? Bien sûr, puisque nous faisons une veille communicationnelle au jour le jour, on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, c'est l'essence même du débat démocratique, du dialogue en tout, dans un système multipartite. Cela nous renvoie à ce qui suit. Si les gens se prononcent par rapport à, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Parce que quand vous faites quelque chose et que personne ne fait attention à cela, c'est que vous n'existez pas. Cela prouve que nous inquiétons, que notre rebondissement, ou si vous voulez, notre renaissance interpelle plus d'un. Mais il faut avoir l'honnêteté de rendre les choses comme il le faut. Lorsque des gens se disent analystes politiques, je ne vais pas avoir la prétention de vous faire un cours de méthodologie ni faire cet affront-là à nos téléspectateurs. Mais lorsque vous parlez d'analyse prospective, c'est que vous devez collecter des données et vous devez émettre des avis sur le futur. Vous n'êtes pas en train de faire une analyse après coup. Lorsque on nous invite sur un plateau pour opiner par rapport à une question, l'honnêteté intellectuelle voudrait donc que nous collections d'abord les données suffisamment et qu'on ne se limite pas à un PC de 2 minutes, 2 minutes 30 visualisé sur une chaîne de télévision pour opiner. Lorsque par exemple certains confrères parlent de l'ancrage national du parti, est-ce qu'ils ont pris la peine d'être présents à ce congrès-là? Non, ils n'y étaient pas. Nous avons passé plus de 7 heures d'horloge à ce congrès-là. Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils ont lu les résolutions? Est-ce qu'ils ont lu le rapport? Ils se sont cramponnés juste à quelques extraits de la cérémonie d'ouverture pour dire ce qui suit. Vous savez, la compétition sur le terrain politique, c'est le leitmotiv de tout parti politique. Et on ne saurait empêcher un parti de vouloir le faire. Du coup, si le parti n'avait pas, de par le passé, un ancrage national, eh bien les dossiers qui ont été déposés à la Sénat pour participer de façon consécutive aux échéances électorales de 2020 puis ensuite de 2023, c'était des dossiers des Rwandais ou des Nigériens. Et les Béninois qui ont voté à Matéri, à Tukuntuna, à Chumichumi ou encore à Save Bante et à Ketu, ces personnes-là ne sont-elles pas des Béninois pour qu'on dise que le parti n'est pas connu ou n'existe pas, sur l'arène, dans l'arène politique? Et l'autre observation, c'est que le parti, on va dire, c'est sans obstination, on va dire, à faire chemin seul. Pourquoi refuse-t-il de se fondre, on va dire, dans l'un des blocs soutenant le chef de l'État, Patrick Talon? La question également est légitime. Mm-hmm. Mais lorsque vous parlez d'obstination, je me demande, est-ce que l'obstination est une mauvaise chose? Ça me rappelle un adage de chez moi qui dit que la femme finit par céder aux avances de cet homme-là qui est persévérant, qui est obstiné, qui continue de réessayer jusqu'à ce qu'il arrive à convaincre cette femme-là. Donc je ne vois pas cela je ne vois pas quelque chose de mauvais. Quand on reproche au parti d'être obstiné, de ne pas vouloir se fondre, pourquoi veut-on forcément que le parti se fonde dans un bloc? Encore que nous venons de faire une expérience. C'est un divorce qui a été consommé. Pourquoi est-ce qu'on veut pencher la balance du côté du parti ex-UDBN pour dire c'est lui qui n'a pas voulu? Il faut pouvoir rendre... vous avez ces analyses-là, pour ma part, ne sont pas... si elles sont motivées par une bonne intention, eh bien, ces personnes-là ont juste étalé leurs lacunes en matière de méthodologie intellectuelle. Mais si elles sont animées d'une mauvaise intention, cela nous renforce dans notre posture et prouve que nous avons de la matière et que nous sommes craints. Regardez, lorsque on dit que non, le parti ne pèse pas, il faudrait qu'il disparaisse. Écoutez, si nous ne sommes pas suffisamment gras, d'accord, pour amener quelque chose à la table des négociations, mais permettez-nous d'aller nous engraisser. Et d'ici quelques mois, quelques années, quand on sera suffisamment gras ou gros, on rediscutera de cette possibilité-là de mettre quelque chose sur la table de négociation. Alors, vous soutenez donc les actions du chef de l'État. Vous, on va dire, vous soutenez également la réforme du système partisan qui encourage donc les grands regroupements politiques. Alors, c'est pourquoi la question est posée. Pourquoi est-ce que l'UDBN ou la Renaissance nationale, veut-elle rester seule? La réforme du système partisan, il n'est écrit nulle part dans le code électoral ou dans la charte des partis politiques que les partis politiques existants doivent fusionner. C'est juste une stratégie pour que certains partis puissent être plus forts. Si nous estimons que nous pouvons être suffisamment forts pour lever les 10% des suffrages exprimés lors des élections,
Pourquoi est-ce qu'on veut nous empêcher d'exister seul? C'est-il possible pour vous? Bien sûr que oui. Mais si cela... Écoutez, ceux qui se sont assis pour mener ces réflexions-là depuis tout ce temps ne sont pas allés vendre des amuse-gueules à l'université. C'est des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont la tête bien faite. Donc pour dire que si nous n'étions pas convaincus du fait que les stratégies que nous comptons déployer sur le terrain entre aujourd'hui et 2026 nous garantiraient les 10% tout au moins. Mais au-delà de ça, le fait de lever des sièges dans les conseils communaux, municipaux et à l'Assemblée nationale, ben nous ne nous engouffrerons pas dans cette aventure-là, puisque personne n'a envie de perdre du temps, de consentir des sacrifices qui vont aboutir à zéro. Pour dire que nous en sommes convaincus et la compétition, elle est libre. Et nous sommes partants pour faire cette compétition-là. Et puis bon, il y a une chose, hein, autre chose où on parlait de... ce n'est que du saupoudrage, ce n'est que du maquillage institutionnel et tout ça. Je concède ça à ceux qui le disent, mais je ne vois pas en quoi faire du maquillage est une mauvaise chose. En fait, le maquillage n'est pas fait que pour cacher les rides, mais le maquillage est aussi fait pour faire ressortir et faire briller davantage ce qui est déjà beau. Donc, wait and see. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et nous y sommes. On a encore le temps de s'évaluer. D'accord. Quelles sont les nouvelles orientations définies par le Congrès l'autre samedi? J'avais commencé à en parler, la dénomination a changé, la configuration des bureaux locaux, mais également des mouvements de masse, ça a changé. Il y aura bientôt une mission sur le terrain pour la redynamisation et le remembrement de nos structures. À la base, nous comptons vraiment axer nos travaux sur les mouvements de masse parce qu'ils comptent beaucoup dans l'élection de députés à l'Assemblée nationale ou de conseillers dans les conseils ou même de présidents. Donc pour dire que, en plus de cela, il y a la veille communicationnelle que nous tenons. Merci de nous en donner d'ailleurs l'occasion. Cette veille communicationnelle-là que nous tenons, qui nous permet de nous prononcer sur les sujets d'envergure et d'intérêt nationaux. Et également pour profiter et mieux vendre notre offre politique à nos compatriotes. Et comment votre parti, on va dire, perçoit-il les prochains, donc les prochaines élections générales qui auront lieu en 2026? Avec sérénité. Avec beaucoup de motivation et d'engouement, parce qu'il y a un gros défi à relever pour nous. Lequel? Celui de lever des sièges, je l'ai dit, d'avoir tout au moins les 10% de lever les sièges à l'Assemblée nationale et dans les conseils communaux. Et il n'y a pas plus grand défi que cela pour nous aujourd'hui. Pendant que certains se confortent déjà dans la posture d'être les indétrônables, nous venons avec toute cette fougue-là pour dire nous sommes aussi là et nous comptons faire entendre notre voix et gagner cette partie-là. Alors, le défi, comme on le disait, c'est les 10%, surtout pour la présidentielle. Tout au moins, puis les levées d'œil. Aujourd'hui, on dit que la Renaissance nationale n'a pas une assise nationale. Alors, comment est-ce que vous vous organisez pour relever justement ce défi? Comment est-ce qu'on a une assise nationale? On a un ancrage national lorsqu'on se déplace de contrée en contrée. Lorsqu'on rencontre des compatriotes qui s'alignent avec votre vision de la gouvernance politique. Lorsque vous arrivez à convaincre des compatriotes de vous suivre et de vous accorder leur quitus pour les représenter et gérer en leur nom. C'est le béaba, en fait, de ce jeu-là, et c'est ce que nous comptons faire. Je l'ai dit tantôt, nous avons une mission de redynamisation qui va se tenir sur toute cette période-là. Donc, nous sommes déjà sur le terrain, et nous ne comptons pas affaiblir jusqu'à cette période-là. D'accord, on va parler de ces deux sorties du chef de l'État, Patrice Talon. D'abord, son message devant la représentation nationale sur l'État donc de la nation. Globalement, quelle lecture faites-vous des différents sujets évoqués par le chef de l'État? Concernant le discours du président de la République sur l'état de la nation, je vais simplement réitérer ici les propos de la présidente du parti Renaissance nationale, Madame Claudine Affiavi-Prudencio, qui aussitôt le jour-là même où le président de la République a dit son discours, qui a publié sur les canaux digitaux, mais également dans la presse écrite, ses impressions. Et je retiens de cela que nous avons vu un président de la République humble et honnête. Humble et honnête par rapport à ce qu'il a promis de faire et par rapport à ce qu'il a pu exécuter de ce qu'il a promis. Et dire en toute responsabilité aux Béninois qu'il reste encore du chemin à faire. Cependant que nous venons de loin et là où nous sommes aujourd'hui prouve que nous avons pris quand même la bonne trajectoire. Nous avons vu aussi un président de la République très optimiste par rapport au futur. Très optimiste par rapport au futur, contrairement au fait que certains veuillent peindre en noir
tout ce qui est fait et ne pas avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a un effort qui est fait. Effort qui est fait, par exemple, dans certains domaines tels que le domaine de la culture, de l'art et du tourisme, dans le domaine de la digitalisation et du numérique, où la vie, elle est suffisamment facilitée pour nos compatriotes aujourd'hui. Sur le domaine de l'industrialisation, de l'équipement militaire, parce qu'il a parlé également de la sécurité à nos frontières. Mais cette ouverture-là du président de la République aussi, par rapport au conflit entre la CEDEAO, bras de fer entre la CEDEAO et la junte au pouvoir au Niger, pour dire que la diplomatie continue. Et le Bénin n'a pas manqué de continuer à faire le lit à ce lien-là, où il a même allé jusqu'à dire il y a un temps pour condamner. Et puis il y a un temps pour écouter, il y a un temps pour prendre acte et ainsi de suite. Donc dans le domaine de la santé également, nous avons l'hôpital de référence de Calavi qui est presque fini, et certains efforts qui ont été faits également dans la localité au niveau des hôpitaux de zone et ainsi de suite. Pour dire que la République, elle est en marche. Le rythme n'est peut-être pas ce que nous aurions tous voulu, mais Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Le Bénin ne peut donc se construire en un seul jour. Hier, Patrick Talon a accordé une interview exclusive donc à la presse nationale. L'un des sujets évoqués, c'est la question de sa succession. Patrick Talon semble donner la main donc au parti politique. C'est une bonne nouvelle pour vous? Bien sûr, c'est l'idée même en fait de la réforme du système partisan. Oui, donc rien de nouveau à ce que le président de la République a dit par rapport à cela. La question de la libération, on va dire, des prisonniers politiques, Patrice Talon est une fois encore revenu sur la question. Quelle est la position de votre parti sur le sujet? Je rappelle juste que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin lors du passage du président Macron au Bénin. Mm-hmm. Pour dire que nos compatriotes qui sont en prison, ceux qui attendent que leur procès soit fait, et ceux qui ont déjà été condamnés. Vous savez, Renaissance nationale a à sa tête avant tout une mère. Au-delà d'être une mère, la présidente Claudine Affiavi Prudencio a été collègue de notre sœur Rekia Madougou, parce qu'elles ont fait le même gouvernement. Au-delà de ça, je n'irai pas juste à parler des d'autres types de relations qui lient plusieurs responsables de nos partis politiques à ces personnes-là. On ne peut donc être dans une certaine douleur. On ne peut donc ressentir une certaine désolation lorsque nous voyons que nos compatriotes, des gens que nous avons connus, dont nous sommes proches, vivent cette situation-là. Et nous tenons à le marteler. Mais cela n'est pas de nature à ce que Renaissance nationale réfute les faits qui ont été établis par la justice béninoise, parce que c'est une institution que nous avons tous consenti à mettre sur pied, à laquelle nous avons donné les pouvoirs nécessaires pour connaître des actes qui sont délictueux et pour juger ces actes-là. Et des faits ont été établis. La justice a fait son travail, nous en sommes arrivés à une condamnation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de trouver une solution pacifique pour que ces personnes-là puissent être, si vous le voulez, sur le plan politique ou social, pardonné. Et la posture de Renaissance nationale est que nous sommes preneurs de toute proposition impliquant tous les acteurs pour qu'on puisse en arriver à une solution paisible qui arrange également nos compatriotes qui sont en prison. Je doute que la posture aujourd'hui de certains de nos vis-à-vis dans l'arène politique soit la meilleure, parce qu'il s'agit de diplomatie, il s'agit de négociation. C'est à se demander, est-ce qu'ils veulent réellement la libération de nos compatriotes-là? Et nous ne voudrions surtout pas surfer sur le malheur de ces compatriotes-là et en faire un fonds de commerce politique. Quant à nos étudiants, nos jeunes frères étudiants et autres qui sont en attente de procès, je pense que lors de la rencontre du Parti des démocrates avec le président de la République, il a été instruit devant tout le peuple béninois que le ministre de la Justice fasse diligence pour que le procès de ces personnes-là soit fait, pour que ceux qui seront relaxés soient relaxés et ceux qui seront condamnés puissent bénéficier de la clémence du président de la République. D'accord, on va finir avec un, deux, trois mots à l'endroit des militants de la Renaissance nationale. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, chers compatriotes. Merci, chers militants et militantes du Parti Renaissance nationale. Vous n'avez pas aujourd'hui de raison de croire que votre parti n'existe plus. Non, votre parti existe bel et bien. Votre parti est fier d'exister et est fier de vous avoir avec lui pour aller
lever les sièges dans les conseils municipaux, communaux et à l'Assemblée nationale pour les élections de 2026. Toutes les stratégies seront mises à contribution et vous êtes ceux qui faites vos représentants dans les différentes instances. Faites votre travail. Nous sommes là pour conduire et vous accompagner jusqu'à ce que l'objectif commun soit atteint. Merci à vous, Dr Mohamed Awali Akintola, chargé de mission et responsable de la cellule de communication du Parti Renaissance Nationale, parti que préside Claudine Prudencio. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons passer à présent au décryptage de l'actualité nationale avec le directeur de publication du quotidien, l'informateur. On va installer Claude Alofa. Que le spectacle commence ! Les fêtes continuent encore plus longtemps sur Canal+. Réabonnez-vous à votre formule et nous vous offrons 30 jours à tout Canal+. Oui ! 30 jours pour profiter des meilleurs programmes et de 400 chaînes. Super clair. 30 jours de sport passionnant. On le comprend ! 30 jours de vos séries préférées. C'est une surprise. 30 jours de films exceptionnels. C'est pas croyable. Pas mal du tout. Chez Canal+, tant qu'on peut faire plaisir, on ne s'arrête pas. C'était impressionnant. Eya, la fête démarre. Jusqu'au 31 janvier 2024, bénéficiez jusqu'à moins 40% de remise sur toute la gamme électroménager. Aussi, participez à la super tombola de fin d'année sur tout achat à partir de 200 000 francs CFA dans l'une des agences Néo et Allo. Au tirage, plus d'une dizaine de lots à gagner dont les motos Wave S et les téléviseurs LED à ne pas rater. Plus vous achetez, plus vous avez la chance de gagner à la grande tombola de Néo et Allo. Rendez-vous en agence Ganri, Avenue Stenmez, Kangezo et Revan. Garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 60 00 66 66. Néo et Allo vous souhaitent une bonne année. Pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, il est déjà là, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Directeur de publication du quotidien, l'informateur, merci d'être avec nous. Plusieurs sujets à évoquer avec vous dans les 15 prochaines minutes. On commence avec le discours du chef de l'État devant la représentation nationale. C'est un respect donc des dispositions de la Constitution, notamment l'article 72. D'abord, globalement, quelle lecture faites-vous du respect de cette disposition? Avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, on peut reconnaître que chaque année, il satisfait à cette obligation républicaine qui fait qu'il doit présenter devant les représentants du peuple l'état de la nation. Et à chaque fois, le chef de l'État s'y est attelé. Et pour moi, toujours en abordant tous les aspects, de la nation, il a toujours essayé de montrer ce qui va, ce qui doit être amélioré. Et c'est ce qui a été fait encore cette fois-ci. C'est un moment de restitution, on va dire, du bilan de santé du pays. C'est un moment également de vérité et de sincérité entre le chef de l'État et le peuple béninois qui l'a mandaté. Est-ce que c'était le cas à votre avis? Oui, lorsqu'on voit bien, je trouve que le chef de l'État a dit exactement ce que chacun voit à son niveau. Mm-hmm. Si chacun devait tirer dans l'évolution de la nation, il faut reconnaître que nous avons dans tous les aspects constaté à ce qui a été présenté par le chef de l'État, que ce soit dans la construction de routes infrastructurelles, que ce soit au niveau donc du changement de la gestion qui se fait dans l'administration à tous les niveaux, par rapport aux relations du Bénin avec l'extérieur. Le chef de l'État est revenu sur tous les aspects, et des aspects qu'on n'aurait même pas cru qu'il l'aurait fait, parce que lorsqu'on voit dans les relations avec les pays amis, le Niger et autres, on aurait pu dire que le chef de l'État n'aurait pas abordé ces aspects, parce que il y a peut-être eu à des moments donnés des décisions qui étaient trop difficiles, mais qui avaient été prises, et le chef de l'État les assume dans son compte rendu, dans tout ce que l'état de la rupture a pu faire pour la nation béninoise.
Et là-dessus, je crois qu'il y a eu de la sincérité. L'un des chantiers, on va dire, sur lequel le peuple béninois attendait le chef de l'État, c'est dans le domaine du social, puisque nous sommes dans un mandat hautement social. Est-ce que, à ce niveau, vous avez l'impression que quelque chose a véritablement bougé? Quand nous parlons du social, c'est ce qu'il faut faire pour que le peuple, à la base, puisse se porter mieux. Mmh. Et je crois que nous pouvons reconnaître, que ce soit au niveau des femmes, souvent quand on parle de microcrédit aux plus pauvres, nous parlons souvent des mamans qui ont un accès difficile souvent aux ressources, vu l'organisation sociale que nous avons chez nous. Là-dessus, il a été organisé à leur endroit des possibilités de décaissement de fonds pour pouvoir les aider à sortir des difficultés, de la précarité. Au niveau donc de la gestion de notre santé personnelle, quoique le gouvernement a mis sur pied donc ce projet-là qui consiste à assurer d'une certaine manière, à permettre à chaque Béninois de pouvoir avoir la possibilité de se faire soigner chez lui, ici au Bénin, et en comptant sur l'appui de la nation, en comptant sur l'amour de tous. Là-dessus, je crois que c'est très important. Lorsque nous parlons un peu de l'administration béninoise et donc des fonctionnaires, une des décisions qui ont été prises, je crois, en l'an 2021, vers la fin, ont été appliquées, en l'an 2022, vers la fin, ont été appliquées en 2023, ce qui a permis donc une augmentation des sursalaires pour les fonctionnaires et des conditions d'amélioration de la vie pour chacun de nous. Tout à fait. Il faut reconnaître, là-dessus, le gouvernement ne s'y trompe pas. Le privé n'a pas entièrement suivi. Certainement qu'il reste quelque chose à faire à ce niveau-là. Et je crois que le discours du chef de l'État n'est pas un discours qui miroite juste les faux succès, mais c'est un discours qui reconnaît aussi là où il y a eu des manquements et qu'il faut avancer, qu'il faut pouvoir faire mieux. Donc, Patrice Allon a également parlé de la diplomatie, la relation du Bénin avec les autres pays, notamment le Niger. Oui. On sait qu'au lendemain du coup d'État au Niger, le Bénin a pris position conformément aux directives donc, de la CEDEAO, ce qui a sans doute, on va dire, dégradé les relations entre les deux pays, mais le chef de l'État est toujours prêt donc, à nouer de bonnes relations avec ce pays voisin. Tout à fait. Dès que ce qui est fait ne répond pas à ce que nous avons accepté de faire, je crois que le chef de l'État n'a pas été hypocrite à ce niveau-là. Le Bénin s'est engagé sur la voie démocratique et les coups d'État sont interdits. On ne saurait les admettre. Et c'est normal que partout où il y a eu coup d'État, le chef de l'État, en collaboration avec les autres chefs d'État de la sous-région de la CEDEAO, a déclaré que le Bénin était contre donc les putschs. Et pas contre les putschistes, parce que les putschistes, c'est des Nigériens, ils sont du Niger, mais contre le fait de vouloir accéder au pouvoir par le crime, parce que ça a été établi comme crime dans notre société, sous nos cieux. On ne va pas au pouvoir par un coup d'État, mais on y va par les élections. Et surtout, lorsqu'il y a là un président qui a été élu légalement, il est important. Donc là-dessus, le chef de l'État a donné la position du Bénin, mais aussi, il a dit, dès que nous avons exprimé que nous ne sommes pas d'accord, nous avons dit, il a expliqué, nous sommes allés jusque là où il faut pour qu'ils comprennent que les coups d'État sont interdits chez nous. Maintenant, il s'agit du Niger, il s'agit d'une des populations, d'un peuple frère. Et là-dessus, le chef de l'État dit qu'ils sont prêts à reprendre les discussions pour aider ceux qui sont là à pouvoir prendre soin de la population et à revenir à la forme normale, la forme de gouvernance normale acceptée par la CEDEAO et donc par le Bénin. Parce qu'au Bénin, ici, nous ne serons pas d'accord qu'il y ait un coup d'État pour qu'on prenne le pouvoir par coup d'État, parce que nous voulons exprimer nos voix, nous voulons bien sûr dire qui nous voulons pour nous gérer. D'accord, mais pour les opposants, Patrice Talon est passé complètement donc à côté de la plaque et se demande ceux qui ont rédigé le discours et même le chef de l'État, est-ce qu'ils vivent dans le même pays que les Béninois? Quelle analyse faites-vous de ces commentaires? Bon, c'est de bonne guerre. L'opposition a pour rôle, mais quand c'est formulé de cette manière, on comprend qu'il n'y a rien contre.
quand la formulation de l'opposition est faite de telle sorte à dire... Je pense que ce discours ne reflète pas. C'est qu'il n'y a rien de précis contre quoi on va. Mais on ne peut pas venir applaudir. Je crois qu'ils sont dans cette logique-là. C'est une mauvaise logique. Il faut à un moment donné reconnaître que nous avons pris le cap du développement. Nous avons changé beaucoup de choses. Et donc, quand l'opposition décide de dire que ce qui est écrit est mal écrit, et donc celui qui l'a écrit là est mal inspiré, et qui ne vit pas au Bénin, dans le même pays, que nous, il fallait juste donner, dans tel domaine, il y a telle chose que le chef de l'État a eu à dire dans son discours, qui était faux, parce que nous avons telle autre preuve. Sans le dire, je crois que l'opposition joue juste un rôle. D'accord. On va changer de sujet avec vous très rapidement, mon cher Claude Alofa. On va parler de cette situation à Banté avec le décès de la secrétaire exécutive. Comment vous suivez cette actualité? Oui, une situation bien triste parce que toutes les fois où il faut finir avec le décès, il faut finir et dire que quelqu'un est parti, ne peut plus vivre avec nous, ne peut plus continuer le combat avec nous, c'est douloureux. C'est une famille, c'est une personne, mais c'est toute une famille qui endurait tout le Bénin parce qu'elle était au service de la nation béninoise. Elle était en poste à Banté. Les difficultés que nous avons dans la gestion, les problèmes que nous avons à nous gérer ensemble dans les services n'empêchent pas que nous puissions rester ensemble. Pour cela, il faut juste reconnaître que la situation qui aurait, parce qu'on n'a pas de preuves là-dessus, cette situation est à regretter et à éviter ailleurs. Voyez-vous, les SE sont utiles pour la nation. Ils sont envoyés pour aider les maires à travailler. On a beaucoup de cas plus difficiles, pas autant difficiles parce qu'il n'y a pas eu des décès. On a connu des démissions et autres. Du dehors, nous pensons qu'il serait souhaitable que les autorités aident les SE pour ne pas les présenter aux populations comme étant les problèmes. Comme les ennemis. Les ennemis du développement de la localité. Parce que les populations élues le maire, il ne faut pas présenter les SE comme des personnes envoyées d'ailleurs pour bloquer le maire dans ses activités. Non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, l'argent de la mairie reste à la mairie. Les SE, non. D'ailleurs, il faut même espérer, s'ils veulent leur faire mal, les pousser à peut-être détourner pour les envoyer en prison. C'est des gens qui sont envoyés pour aider la République, aider les mairies. Je crois que c'est l'autre travail qu'il faudra faire avec la nouvelle loi. Il faut pouvoir amener les autorités, amener les populations, parce que nous ne sommes pas en train d'accuser les maires d'être auteurs de troubles ou d'être à la base du décès de la SE. Ce n'est pas la question. Il faut des clarifications. Des institutions compétentes pour pouvoir s'occuper du dossier. Et il faut permettre qu'il y ait une bonne ambiance. Nous, du dehors, nous disons que quelque chose ne va pas entre les maires et les SE. Et comme les maires sont des élus du peuple de la localité, nous soupçonnons qu'ils disent des choses qui certainement mettent les SE dans des conditions difficiles. Et sans que personne ne pousse personne à la mort, il peut arriver que le fait de travailler dans des conditions difficiles conduisent des gens à des situations comme celles qu'on connaît Se retrouve dans un milieu qui n'est pas le sien et qu'on se retrouve dans ces situations de décès ou de démission, est-ce que cela ne met pas en cause, on va dire, la pertinence de la réforme sur la décentralisation? Pour moi, on ne doit pas en conclure directement la mise en cause de la pertinence de la réforme. Je préfère plutôt que nous disions que la réforme n'est pas encore acceptée ou qu'elle touche un point difficile. Et c'est parce que ça touche un point difficile qu'il y a autant de problèmes autour. Vous imaginez, si on est obligé de dire aux populations que celui qui est nommé vient m'empêcher que je vous donne de l'argent, que je mette de l'argent à votre disposition, ça veut dire qu'on mettait vraiment, on gérait mal l'argent public. Et donc l'autre est devenu comme un contrôleur qu'on a placé sous mes pieds pour voir ce que je suis en train de faire. Pour moi, c'est une raison de plus pour que la réforme soit maintenue, mais peut-être mieux expliquée et associée un peu plus. Je crois que le chef de l'État avait fait ce travail, mais peut-être qu'il faut ajouter un peu plus d'informations, de sensibilisation
que les maires prennent cela comme étant leur projet, qu'ils expliquent cela aux populations afin que le Bénin s'en sorte beaucoup mieux. Moi, j'aurais dit que cette réforme ne marche pas si elle empêche la mairie de fonctionner, si elle empêche, par exemple, ou bien qu'elle conduise, par exemple, au détournement de l'argent public. Je dirais que cette réforme est dangereuse. Mais dès que la réforme permet de pouvoir se contrôler l'un l'autre, que le maire prenne le SE comme étant son problème, et donc qu'il le contrôle, et que le SE est là pour travailler. Évidemment, le SE est là pour travailler, et ils ont un cahier des charges, je crois, les SE. Ils ont été recrutés pour faire quelque chose. Ils doivent avoir à la fin à rendre compte. Les SE qui craignent les relations difficiles avec les autorités locales ou les populations ne font pas le travail. Ces SE-là se mettent plutôt en difficulté parce que bientôt, il y aura à faire le point de ce qui est fait sur le terrain. Et en ce moment-là, je crois qu'eux, ils sont des cadres de la République et ils peuvent être affectés par-ci, par-là. Ils peuvent être utilisés ailleurs. Et donc, s'ils ne font pas le travail sous peur, sous crainte hein, des menaces et autres, ce sont eux qui mettront la République en difficulté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette réforme est salutaire et il faut pouvoir la continuer. D'accord, on va parler maintenant de ce dossier de détournement de près de 3 milliards de francs CFA à l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Le procureur spécial de la CRIET a donné des précisions sur ce dossier. Oui. L'avez-vous suivi? 2 milliards 695 millions. Ça je crois que c'est beaucoup d'argent. Sur la rupture. Sur la rupture. Et puis, il faut dire, dans le sport scolaire et universitaire, je crois qu'au moment où le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon, travaille à ce que le sport béninois renaisse et qu'on y mette des moyens, ce n'est pas normal que les cadres trouvent que c'est une occasion pour eux de s'enrichir, que c'est une occasion pour eux de faire autre chose que d'aider au développement du sport. Ici, nous parlons du sport scolaire et du sport universitaire. Ce qui est très important pour la suite. Nous nous plaignons à chaque moment de ce que nous n'avons pas de sportifs de haut niveau. Nous nous plaignons de ce que les sportifs qui nous représentent nous font honte. Mais là, nous mettons, l'État met les moyens à la disposition. Pour préparer la relève. Et c'est, qui plus est, bon, pas dire vieux, c'est un jeune qui fait dilapider les fonds. Nous ne sommes pas là pour juger. C'est la justice qui nous a informés de ce qu'il y a un détournement. Et nous nous opinons là-dessus simplement. Le procureur a été clair. Il a précisé ce pourquoi les mises en cause sont appelées devant sa juridiction. Et là-dessus, c'est vrai, le ministère public préfère que le dossier soit, que la CRIET se déclare incompétente, afin que le dossier aille plutôt en instruction. C'est ce que le ministère public aurait préféré. Mais le dossier est rejeté donc au 15 janvier pour que la CRIET puisse se prononcer sur cette demande du ministère public. Mais en gros, cela montre encore que les cadres béninois n'ont pas encore compris que le Bénin change. Ils n'ont pas compris malgré les efforts, on va dire, d'assainissement de l'administration publique. En dépit de ce que beaucoup sont déjà passés devant la CRIET et sont en prison, certains croient qu'ils peuvent passer sous les bails. Pour des raisons ou pour d'autres. Beaucoup n'ont pas compris. Comme vous et nous, nous avons compris que avec l'actuel chef de l'État, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères. Il y a qu'il faut travailler pour que le Bénin s'en sorte. Et là-dessus, je voudrais que cette situation à l'obscur soit une autre occasion pour que la jeunesse, les cadres de la République sachent qu'il n'y a rien d'autre à faire que de travailler pour gagner son pain et que en travaillant, nous gagnons nous-mêmes, mais nous aidons notre République à pouvoir avancer. Mais en détournant, nous détournons l'attention de tout le monde du travail. Imaginez ce qui se passe. L'argent, l'OPSU va fonctionner comment pour le moment? Le sport scolaire, le sport universitaire fonctionneront dans quelle mesure lorsque plus de 2 milliards ont été dilapidés et gaspillés? C'est dommage que ce soit ainsi, mais c'est aussi à prendre au sérieux et donc une leçon à nous tous pour que nous puissions gérer mieux. Énième cas de détournement dans l'administration publique, malgré la rigueur, on va dire, du chef de l'État, finalement, la pratique a de la peau dure. Elle a de la peau dure, elle n'a pas commencé chez nous au Bénin. Et la dureté de sa peau n'est pas seulement constatée au Bénin. C'est lié au fait que l'homme croit qu'il peut toujours profiter de certaines situations. L'homme croit qu'il peut jouer avec pour pouvoir gagner un peu pour lui-même. Mais il y a aussi, quand on dit qu'il y a beaucoup de cas
de corruption. Nous prenons l'administration publique, c'est beaucoup de structures, mais c'est quelques-unes de ces structures qui nous montrent. C'est vrai qu'ailleurs, on arrivera peut-être à démontrer qu'il y a des erreurs aussi, il y a des détournements de fonds. Mais je crois que c'est toujours bon, on l'a toujours dit, c'est toujours bon de savoir que les gens ont détourné, plutôt que de ne pas savoir du tout. C'est bon de savoir qu'ils volent. Et donc, et surtout de les punir. Et c'est pour les punir que la criette s'en charge. Nous attendons, nous gardons les oreilles grandement ouvertes, les yeux grandement ouverts, pour que ce dossier-là ça serve une fois de plus d'exemple pour punir les gens qui préfèrent s'amuser avec l'argent. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, vous êtes l'un de nos analystes sur le plateau du grand format. Merci. C'est le moment de vous remercier pour votre disponibilité à nous accompagner dans cette aventure. On va dire c'est le dernier numéro du grand format pour le compte de cette année. On va se retrouver en 2024 avec sans doute d'autres défis et d'autres sujets brûlants de l'actualité nationale que nous allons décrypter donc sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup pour l'accompagnement. Merci. Très bonne journée. C'est toujours un plaisir d'être ici et joyeux Noël déjà pour nous, nos familles. Bonne fête de nouvel an et bonne fin d'année à chacun de nous. Que Dieu l'Éternel veille sur nous, veille sur notre travail que nous faisons péniblement et que cela nous permette de vivre mieux. Merci, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine et c'est le dernier rendez-vous. Chris Beat. Roxy on the mix. Eda. Tout est psychologique, que personne ne t'empêche de rêver. Permets-toi de rêver, rêve gros, rêve grand, car ça n'a pas de limite. Le chemin le plus sûr est souvent parsemé de grandes embuscades. Si tu tombes, relève-toi, si t'échoues, réessaye, car au fond c'est ça réussir. Ne recherche pas la perfection, non non, tu peux commettre des erreurs dès qu'un humain. Trouve-toi de bonnes vibes, reste authentique, innove, tu verras, t'auras de bons styles. Y'aura peut-être des moments où t'auras perdu toute confiance, car tu peux douter. Mais ne perds jamais ta puissance, car c'est elle qui représente ton essence. Si tu t'enfermes chaque jour, faut pas que ça soit pour dormir, mais pour briller. Ne reste pas trop sérieux, détends toi, regarde Netflix avec ta copine de temps en temps. Et même si elle te traite de petit, dis-leur qu'un petit avec de grands rêves, que tu vis très loin. Dans ma tête, il y a une mélodie qui résonne. Tout est psychologique. Tout est psychologique. Tout est psychologique. Tout est psychologique. Cache toilette à toi-même qu'on baissit. Tu trouves tes rêves trop grands et toi trop petit. Nous débit tous les deux dans ta part. A demain ou pas et tes raisons nous dit ainsi. A nos envois de quoi Haïti. A nos mandats me coussit Béo, me coussit Blo. La fin de toutes choses est mieux que son début. Tu peux pas être parfait, non tu n'es pas Jésus. La voix va donner à vos clavards. Critique vos bois d'or. Mais non, si elle est dit, on peut prendre la dans le bois. Moi, je ne sais pas si je suis retourné à l'Andida. Quand on y a deux menaces, on va retourner à l'Andida. Alors, mesdames et messieurs, vous avez sans doute compris celui qui est avec nous ce dimanche. C'est bien Chris B, notre artiste de la semaine qui nous fait plaisir d'être avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bon arrivé. Bonjour, merci beaucoup. Alors, comment vous portez? Je vais super bien. Alors, Chris B, c'est qui? Chris B, c'est quoi? Chris B, à l'état civil, c'est Christian Gancet. Je suis ingénieur de son, beatmaker, artiste, chanteur, auteur, compositeur.
Voilà. Et puis, on va dire vos premiers pas en musique. On va déjà commencer au collège Jean-Michel Le Faucon. Déjà en sixième, vous aviez commencé à expérimenter votre talent. Comment cette passion est-elle née en vous quand on parle de la musique? Faut dire que c'est une passion qui existait depuis tout petit et qui, au fil du temps, au fil des années, a évolué et tout. Et le déclenchement a eu lieu au Faucon. Au Faucon, lors des journées culturelles, chacun avait la possibilité de choisir son activité et tout. Moi, j'avais opté pour la musique. Et avec les amis et tout, on avait un clan où on composait, on écrivait les textes et tout. Et c'est là que tout a commencé en fait. J'ai découvert j'ai découvert de plus en plus que j'avais quelque une passion qui était liée à la musique. Et avec le temps, je me suis donné à fond dedans. Et en ce moment, est-ce que vous aviez, on va dire, des modèles ou des références? Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspiraient ou bien à qui vous vouliez ressembler déjà au collège? Oui, bien sûr. À l'époque, il y avait Mr Blas. Yeah. Qui était bien écouté par nous, la jeunesse. Il y avait le groupe CCC, il y avait énormément d'artistes qui influençaient un peu nos décisions par rapport à ce milieu et tout. Je pense que ça a aussi contribué à qui je suis devenu. Et puis, ce n'est pas facile de concilier études et musique. Exactement. Sans doute que les parents vont s'y opposer. Quelle était la stratégie que vous avez adoptée pour ne pas perdre l'année? Je pense que ça n'a pas été facile. Et mon père m'a finalement proposé en terminale, c'était que j'abandonnais tout ce qui était lié à la musique et que je me consacrais plus aux études dès que j'obtiens le bac. Direct, il me donne le feu vert. Et bien évidemment, c'était ce que dans ma tête, l'objectif que je m'étais fixé et tout, c'était de me mettre à fond dans les études pour pouvoir quand même décrocher le bac. Et puis par la suite, on allait voir et c'est ce qui s'est passé. J'ai obtenu le bac, mais ça n'a pas été comme il a promis et tout. Il m'a fait comprendre que au Bénin, c'est pas facile avec la musique quand on se lance dedans et tout. Et que lui voudrait me voir plus dans un autre secteur et tout. Et bon, je ne l'ai pas écouté, j'ai suivi mon instinct. Aujourd'hui, il est hyper fier de ce que je réalise quand même et je suis content pour ça. Oui, et malgré ça, vous avez pu obtenir votre licence, on va dire, en finance, comptabilité et audit. Au lieu de travailler dans une entreprise, vous avez préféré chanter. L'artiste peut-il vivre de son art au Bénin? Bien sûr, ça ne sera pas facile. Pas comme les autres, mais je pense qu'avec un peu d'organisation et tout, il va pouvoir économiser, créer des activités avec ce qu'il gagne et tout, et puis sécuriser son avenir. Tout à fait. Et quand à un moment donné, vous avez commencé à faire enregistrer, on va dire, à faire enregistrer dans les studios, quelles étaient les difficultés auxquelles vous étiez confronté? La toute première difficulté était le fait que je n'arrivais pas à payer moi-même mes beats. Ouais. Les beats, la composition des beats. Ce que je faisais, c'est que je téléchargeais les beats, et puis je travaillais sur les beats, j'allais enregistrer en studio. Je pense que c'est un problème financier et tout. Je pense que beaucoup sont passés par là et puis c'était une étape par laquelle je devais passer pour devenir qui je suis en fait. Et avec le temps, on va dire que vous avez réussi à faire soi votre autorité dans la musique et les fleurs ont commencé à produire. Les fruits, c'est le cas de morceau Lano. L'anneau, oui. Produit en 2018, parlez-nous de ce morceau, c'était un coup d'essai? Un coup d'essai, non, je pense que c'est un morceau que j'avais en tête depuis plusieurs années. Et puis au fil du temps, j'essaie de parfaire les lyrics comme la musique en général. Je l'ai enregistré dans un studio et à l'aide du beatmaker LMT Beat, que salue au passage, on a pu quand même concocter un truc. C'est à l'époque, j'avais juste sorti la version audio qui avait quand même connu un petit succès. Est-ce que c'est le morceau, on va dire, qui vous a révélé au public béninois ou bien pas, avant ça, il y avait déjà d'autres succès derrière? Pas vraiment, c'est vrai que j'avais ma petite communauté qui était connue et tout, et des gens qui m'accompagnaient, mais à cette étape, à cette période de ma vie, j'étais pas encore totalement connu. Et puis tout est psychologique.
Exactement. C'est bien ça, ça c'est, on va dire, votre philosophie. C'est le titre donc du feat que vous avez réalisé avec T-Gang, le technicien. On va suivre une petite séquence et on revient sur ce plateau. Chris Beat. Tout est psychologique, que personne ne t'empêche de rêver. Permets-toi de rêver, rêve gros, rêve grand, car ça n'a pas de limite. Le chemin le plus sûr est souvent parsemé de grandes embuscades. Si tu tombes, relève-toi, si t'échoues, réessaye, car au fond c'est ça réussir. Ne recherche pas la perfection, non non, tu peux commettre des erreurs dès que numéro. Trouve-toi de bonnes vibes, reste authentique, innove. Tu verras, t'auras de bons styles. Y'aura peut-être des moments où t'auras perdu toute confiance, car tu peux douter. Mais ne perds jamais ta puissance, car c'est elle qui représente ton essence. Si tu t'enfermes chaque jour, faut pas que ça soit pour dormir, mais pour briller. Ne reste pas trop sérieux, détends-toi, regarde Netflix avec ta copine de temps en temps. Et même si elle te traite de petit, dis-le qu'un petit avec de grands rêves. Que tu vis très loin, que tu vis très loin. Dans ma tête, il y a une mélodie qui résonne. Tout est psychologique. Tout est psychologique. Tout est psychologique. Psychologique, fruit de cette belle collaboration entre T-Gang, le technicien, et Chris Beat, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, tout est psychologique. Tout est psychologique. Tout simplement, tout en rêve. Les grandes réalisations, je pense que c'est de base, était juste un rêve, une idée, et puis qui a été concrétisé, je vais dire, par la suite. À une période de ma vie, j'avais des projets, je ne savais pas par où commencer. Je me projetais dans le futur, je me disais j'allais avoir un studio et tout, j'allais pouvoir avoir mon bureau ici, mettre un meuble là et tout, inviter des artistes, faire des projets avec de grands artistes, même si je ne savais pas à cette époque comment ça allait commencer. C'était un je pense rêve. Que voilà, en quelque sorte, c'était tout se passait dans ma tête. Les moyens pour, voilà, et puis voilà, exactement. Cette collaboration avec T-Gang, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Je pense que beaucoup m'ont découvert. Mmh. Et puis, mis à part cela, j'ai quand même rencontré beaucoup de monde. Et puis, chaque jour, ça ne fait que s'accroître. Et je suis content déjà pour ça. Encore qu'avec T-Gang, c'est un bon choix. Hein? Oui, c'est l'un des meilleurs artistes que nous avons ici au Bénin. Vous êtes spécialiste donc du beatmaking. Oui. Expliquez-nous un peu le concept. Le beatmaker, c'est celui-là qui reste derrière un poste, mm-hmm. un ordinateur, et qui compose la musique. C'est lui qui est chargé de jouer la rythmique, de programmer les mélodies, permettre à l'artiste de pouvoir avoir des instruments sur quoi enregistrer, poser et tout savoir. D'accord. Et vous disposez d'un studio qui vous permet de faire d'abord vos chansons et puis de travailler plusieurs artistes. Vous avez, on peut citer entre autres, Prouda sur ce titre célèbre, on va dire Atiwe. Adomian, il y a aussi Panchito, Ernest, Sika, First King, T-Gang et puis Inkstime, bien d'autres. Quelle est la touche que vous apportez à chacun de ces titres? Je pense que je n'ai pas nécessairement une touche particulière, mm-hmm. mais quand même je m'arrange pour que le résultat final et tout soit une œuvre commune, je vais dire, parce que à chaque session que je fais avec chaque artiste, mm-hmm. c'est un moment où c'est pas moi qui décide de comment la composition va se faire, ouais. et tout. Je
propose à l'artiste, s'il a des idées à suggérer et tout, je peux composer une mélodie là et lui dire est-ce que cela le convient et tout. Et puis au final, le résultat, c'est un choix commun en quelque sorte. Et puis vous avez récemment une collaboration avec First King sur le titre Le Bénou. Oui. Le morceau est sorti quand? Le morceau est sorti il y a 3 semaines, le 1er décembre passé. D'accord, on va suivre un extrait du morceau et puis on revient sur ce plateau. Chris B. Sono Klebenu, Weto Mahumbe, Akwadi Marosika, Afokweyayi, Edo Loboti Medoha, Sojo Saja, Afokwenu Fo, Sune, Lakata Zimondote, Akoro We. Sawe mi non fo, bono ma chedi, Ai ni ve ho, mi kono da chedi, Komo san sortire la priorite, Mi mono djelbe, c'est le titre de ce feat réalisé par First King et notre artiste de la semaine, Chris Beat, qui est avec nous sur ce plateau. Alors, Glegbenou, c'est quoi? Glegbenou, on est sous nous. Sous nous, Glegbenou. En français, ça veut dire tout simplement homme viril, homme fort et tout. Et je pense que le message qu'on a voulu passer par ce projet, c'est tout simplement dire que, quelle que soit la personne qu'on est et tout, on a cette force en soi. Mais et qu'il faut aller la chercher pour la révéler. Mais mis à part cela, il faut toujours rester sur les pas. Parce qu'il y a toujours des obstacles qui vont venir à un moment de notre vie et qu'on va devoir affronter. Alors, on va dire 3 semaines déjà, hein, pratiquement, oui, que le morceau est sorti. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé par constater les fruits du succès de ce morceau? Oui, bien sûr. Déjà, les statistiques que j'ai obtenues, franchement, je suis hyper content pour ça. Je pense qu'en 3 semaines, on a obtenu déjà 110 000 vues et beaucoup de vidéos. On reçoit de messages de partout pour nous féliciter du travail abattu. Déjà, ça, c'est quand même hyper... je suis hyper content pour ça, déjà. D'accord. Pendant que la promo de ce morceau continue, quels sont vos projets? Est-ce que quelque chose se prépare quelque part? Bien sûr, bien sûr. Je pense que là, je suis en train de travailler plus sur ma carrière artistique. Mais ce que je prévois réellement faire, c'est plus mettre en exergue celle de plusieurs artistes qui sont dans l'underground, qui n'ont peut-être pas les moyens, et puis les révéler au public à travers un projet tout que je vais lancer en 2024. D'accord. Pas de concert dans la période et tout à fait On est en train de discuter quand même avec des,
des personnes et tout. Je pense que ça va pouvoir se faire quand même. D'accord. Cette émission, on va dire c'est la dernière pour le compte de l'année 2023. Et nous bouclons justement donc, l'émission avec vous. Un mot à l'endroit de vos fans. Oui, je tiens à les remercier pour ce, parce que je pense que beaucoup me connaissent mais n'ont pas peut-être un visage sur le tout nom à fait. Parce que je reste souvent derrière le clavier à composer la musique pour les donc artistes. Quand ils entendent Chris Beat, ils n'ont qu'à savoir que c'est moi, l'homme là ça. Je tiens quand même à inviter ceux qui sont des artistes, que ce soit artistes, chanteurs, rappeurs, ouais, slammeurs ouais, et tout, de ne pas abandonner parce que c'est très important en fait de connaître ces moments de bas dans la vie pour pouvoir évoluer. C'est de ça qu'on apprend à toujours grandir et tout, et à devenir une meilleure personne. Donc déjà tout est psychologique pour dire ne pas abandonner, tout se passe dans la rêver, tête. Il faut rêver, il faut rêver, voilà, se donner les moyens pour y et parvenir. Et Glebenou pour dire de toujours rester fort et de se relever face à chaque défi que la vie nous donne. D'accord, et justement on va finir avec la reprise de Glebenou. Ok. On y va après. Zanwemi non fombo non pa tchengi. Aïmi veron miko non doa tchengi. Comment s'en sortir est la priorité. Mi manon djeme de tandi kpede. Ye di mi kele gbenu e. Kele gbenu sunu kele gbenu. Yonu kele gbenu. Mi koi kele gbenu e. Kele gbenu sunu kele gbenu. Chris Beat en direct sur le plateau du Grand Format, c'était notre artiste de la semaine. Merci beaucoup hein, de merci d'être à passé vous. Par ici. Merci pour votre et invitation. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Ce merci, plateau merci. Est également dédié à tous les artistes du Bénin. Très bonne journée à vous. Je commence par vous souhaiter bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. Joyeux Noël. Bonne année à vous. Merci. Très bonne famille. Très bonne journée à vous. Et puis avant de vous quitter, mesdames et messieurs, je vais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier tous ceux qui travaillent avec moi dans l'ombre. Je veux parler de l'équipe qui travaille avec moi, mais que vous ne voyez pas, qui font un énorme travail tous les dimanches. Okay, donc grâce à qui vous nous recevez tous les dimanches sur ce plateau du Grand Format. Je vais commencer par Teddy Goudalo, c'est le chef d'édition, le coordonnateur de cette émission. Grâce à lui, tout est planifié et puis l'émission se déroule très bien. Et puis nous avons deux réalisateurs, d'abord William Zanon qui est là aujourd'hui et puis Christelle Kouadekon qui n'est pas là mais qui alterne donc avec William Zanon, elle également nous accompagne tous les dimanches. Merci à vous. Et puis notre ingénieur de son, c'est bien sûr Achille Nyakadja, lui qui assure le son. Grâce à lui, vous nous écoutez depuis vos maisons. Merci beaucoup Achille Nyakadja. Il y a également Francis Kokou-Messant, lui il est derrière la caméra. C'est grâce à lui que nous avons des images. Merci beaucoup Francis Kokou. Yves Onsounou, c'est l'infographe maison. C'est grâce à lui que vous voyez les noms de nos invités, puis les synthés, les thèmes et tout. C'est grâce à Yves Onsounou. Merci beaucoup à vous, Hippolyte Soumaro. C'est le chef donc de la section diffusion de Canal 3 Bénin. Lui également qui nous accompagne tous les dimanches sur le Grand Format. Merci beaucoup à vous les gars. On va se retrouver dans quelques semaines avec beaucoup d'autres défis pour mieux satisfaire nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 24 décembre 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Tio, c'est à Glasgow. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Comme je le disais, cette émission est la dernière pour le compte de l'année 2023. On va se retrouver l'année prochaine pour vous servir avec le même plaisir. Merci beaucoup pour vos soutiens et grâce à vous, cette émission obtient très belle fête de Noël et également du nouvel an. On se retrouve dans quelques semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Chris B. Sunu klekpe nu, we don ahume, akwe di marosika, afokwe ayi, edolo boti me don ha, sojo saja afokwe nu fo, sune, lakata zimondo te, akono we. Sanwe mi don fo, bono ma chedi, ayi ni ve ho, mi kono da chedi,
comment s'en sortir est la priorité. Vivre dans tes mains.